Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la playlist Les bases du crochet pour gaucher. Ça commence bien. Cette semaine, nous allons voir la diminution invisible. Donc, une diminution, c'est prendre deux mailles pour en faire plus qu'une. Donc là, vous prenez les brins avant. Attention, que les brins avant des deux mailles que vous souhaitez diminuer. Vous piquez votre crochet dans le premier brin. Puis dans le deuxième, vous faites un jeté, vous passez votre jeté dans la première boucle, puis dans la deuxième, donc dans les deux brins, deuxième jeté, et vous passez à travers les deux boucles, comme si vous terminiez une maille serrée. Premier brin, deuxième brin, jeté, passez à travers les deux brins, deuxième jeté. Et c'est terminé. C'est comme faire une maille serrée dans les deux brins. En fait, elle est invisible parce que justement, vous n'utilisez que les brins avant des mailles que vous souhaitez diminuer. Si vous prenez les quatre brins des mailles, ça serait beaucoup plus visible. Donc c'est pour ça que celle-ci est invisible. Voici le résultat sur une chaîne. Donc ça ne se voit pas beaucoup. Si vous faites des amigurumis, je vous conseille de faire les diminutions invisibles. Dans un rond, donc c'est la même chose, vous prenez les brins avant. Donc là, je vous montre où piquer votre crochet. Vous piquez dans le premier, puis dans le deuxième brin. Faites un jeté, vous glissez votre crochet dans les deux brins. Deuxième jeté, et voici, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est très simple en fait. Il faut juste savoir qu'il faut prendre que les deux brins avant. Si vous les prenez tous, ça, c'est pas très invisible, je dirais. Très voyant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez toute la playlist des bases du crochet et je vous dis à bientôt. Ciao!